Quand j'étais à l'école, je me rappelle, on faisait des dictées. Donc, le prof nous donnait des dictées à faire. Et c'était un calvaire pour moi parce que j'avais toujours zéro ou souvent même j'avais moins. C'est-à-dire qu'il mettait des notes négatives. Donc j'avais des moins 3, des moins 5, des moins 10. Et du coup, ça faisait bien chuter ma moyenne générale, c'était la merde. Et j'avais ça parce que je faisais plein de fautes d'orthographe en fait. Et j'en fais toujours aujourd'hui, t'as dû le remarquer si tu as déjà suivi des formations à moi ou des choses comme ça. Et il y a pas mal de points où je me suis amélioré dans ma vie, mais l'orthographe, je me suis amélioré un petit peu quand même. Mais c'est pas encore ça. Et de fait que je faisais pas mal de fautes, tu vois, bah ça m'encourageait absolument pas à écrire. Je voulais pas écrire parce qu'à chaque fois que j'écrivais, je savais qu'on allait se foutre de ma gueule entre guillemets parce qu'il y avait plein de fautes justement dans ce que j'écrivais. Et je me rappelle une fois, j'avais une prof de français qui nous avait demandé d'écrire un truc, je sais pas quoi, je sais pas, je me rappelle que j'avais écrit quelque chose et la prof de français s'était marrée, elle m'avait félicité. Et je me rappelle de ça, tu vois, il y a très peu de souvenirs que je me rappelle du collège, enfin un petit peu quand même, mais léger, surtout en classe, il y a très très peu de choses. Et ça, tu vois, je m'en souviens. C'est que, tu vois, ça m'avait assez marqué et je me rappelle qu'à ce moment-là, le texte que j'avais écrit, j'avais pris plaisir à l'écrire et j'avais écrit, je trouvais un truc plutôt cool. Le problème dans ce cas-là, c'est que on montrait mes faiblesses du doigt et on me montrait que ça. Ce qui fait que ça me coupait totalement d'un truc que j'aurais pu faire, comme par exemple écrire. Aujourd'hui, tu vois, j'ai écrit mon premier livre au début de l'année, je viens de finir mon deuxième livre et je vais le publier. Mais à ce moment-là, jamais de la vie, je me serais dit que j'allais publier un livre parce que j'étais nul en orthographe, parce que je pensais absolument pas que c'était un truc qui était fait pour moi. D'ailleurs, j'avais jamais lu bouquin de ma vie, j'ai jamais lu un livre, je crois, entier de ma vie. Premier livre que j'ai lu, je crois que c'était à mes 22 ans. Et le problème actuel, je pense, dans l'école, c'est que la prise de risque n'est jamais, quasiment jamais récompensée. C'est-à-dire que si tu prends un risque à l'école et que tu tapes une mauvaise note, tu vas te faire non seulement engueuler par le prof, potentiellement tes camarades de classe vont se foutre de ta gueule, et quand tu rentres chez toi, rebelote. Potentiellement, il y a tes parents qui vont te donner une punition, qui vont t'interdire des choses, qui vont t'engueuler. Donc imagine que tu prends un risque et tu tapes tout ça derrière. Bah forcément, ça va pas te donner envie de recommencer. Ça va plus te donner envie de rentrer dans le rang, de faire des choses entre guillemets normales pour t'assurer, essayer de t'assurer entre guillemets une bonne note sur un truc. Et même au niveau créatif, si c'est au niveau dessin, sportif ou je sais pas quoi, bah tu seras pas non plus forcément récompensé si tu veux prendre des risques ou faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. J'ai arrêté l'école à 17 ans et alors je parle en mon nom, c'est pas forcément pareil pour toi, mais c'est une chance. Ça a été vraiment une chance dans ma vie. Tu sais, il y a une étude que j'ai regardée il y a quelques années en arrière qui m'a vraiment marqué. C'est que dans l'univers du marketing, il y a un domaine qui s'appelle le growth hacking. Le growth hacking, c'est toutes les stratégies, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, qui permettent d'avoir une croissance monstrueuse sur des projets, des applications, n'importe quoi, en dépensant le minimum d'argent possible, voire pas d'argent du tout. En trouvant, voilà, des techniques un peu, on va dire, différentes du marketing traditionnel. Et les gens qui sont derrière ces stratégies, donc qu'on peut appeler des growth hackers, il y a une étude en fait qui a été faite sur ces personnes et qui ont montré que la majorité des gens, des growth hackers qui avaient et qui réussissaient, on va dire, dans ce domaine, c'était des gens qui avaient passé très peu de temps à l'école. Alors du coup, c'est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi ces mecs réussissent mieux s'ils ne vont pas longtemps à l'école? En fait, la réponse, je pense, est assez simple. C'est que plus tu restes dans le système, je pense, scolaire, plus ça sera dur pour toi de penser en dehors des rangs. Si tu regardes, par exemple, les inventions qui ont été faites dans ce monde, si tu regardes les choses qui sortent complètement de l'ordinaire, ou des visionnaires qu'il y avait, qui ont pensé à quelque chose qui n'existe pas, généralement, tu vas remarquer, en regardant toute l'histoire, que les mecs qui sont derrière ces inventions, c'est pas forcément des mecs qui avaient justement un gros bagage scolaire. C'est des mecs qui ont arrêté généralement l'école très tôt. Et du coup, ces mecs, ils s'autorisent à réfléchir justement d'une manière différente. Et je pense que personnellement, pour moi, c'est une chance que j'ai pu quitter le système scolaire à 17 ans. Parce que ça me permet aujourd'hui, je pense, de réussir à réfléchir en dehors justement des rangs. Je vais tourner une vidéo prochainement sur la déconnexion de la pensée humaine traditionnelle. Réfléchir en se déconnectant de la pensée humaine traditionnelle. Et ça, pour moi, personnellement, c'est toujours mon avis personnel, n'hésite pas à marquer d'ailleurs ton avis dans les commentaires, t'es pas forcément d'accord, mais pour moi, c'est beaucoup plus dur de le faire, beaucoup plus dur si tu quittes l'école à, je sais pas, à 25, 26, 27 ans que si tu la quittes à je sais pas, à 17, 18, 19, 20 ans. Alors, je suis pas en train de te dire de quitter l'école, absolument pas, ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend de tes projets. Dans le livre Le Seconde Chance de Robert Kiyosaki, que j'ai terminé là il y a quelques semaines, il disait également, le système scolaire, c'est un des seuls endroits en fait où quand tu vas faire des erreurs, bah c'est pareil, tu vas être pointé du doigt dès que tu vas faire une erreur. Alors que pour réussir dans la vie, plus tu fais des erreurs rapidement et plus tu en fais,
plus tu accumules d'expérience pour faire mieux la prochaine fois. Malheureusement, comme tu es pointé du doigt dès que tu fais une erreur, dès que tu te trompes à un contrôle, à un truc, la prof t'engueule, je t'ai dit, il y a tes camarades de classe forcément qui peuvent se foutre de ta gueule. Et en plus de ça, derrière, tu as tes parents derrière, bah forcément qui vont pas trop être contents. Ce qui paraît logique, ce qui paraît en effet logique. Mais du coup, quand tu arrives dans la vie réelle, mais tout ça c'est ancré dans ta tête. C'est inconscient, tu vois, t'en es même pas conscient, mais c'est ancré. Ça veut dire que tu vas éviter au maximum de faire des erreurs. Pourtant, au niveau entrepreneuriat, moi ce que je peux te conseiller, c'est faire le maximum d'erreurs possibles. Et plus tu vas faire d'erreurs dans ta vie, au final mieux ça sera. Tu vois, pour te donner un exemple, actuellement au Japon, je vais te faire une vidéo sur ça demain aussi, il y a des services de location d'amis. Alors ça peut paraître étrange, ça peut paraître très bizarre et tout, mais je suis en train de réfléchir, putain il m'a fait flipper. Mais actuellement je suis en train de réfléchir justement à mon équipe à créer un service qui sera pas tout à fait pareil mais qui va se rapprocher de ça. Tu vois, des idées comme ça, je sais vraiment pas si j'aurais des idées comme ça, tu vois, si j'aurais été formaté pendant je sais pas 10 ans dans un système scolaire. Je suis vraiment pas sûr de ça. Et dernière chose que je voulais dire, ce matin j'ai posté une citation sur mon compte Instagram qui a été énormément likée, donc je pense que ça a parlé à pas mal de monde. C'est une citation de Albert Einstein qui disait: nous passons 15 ans à l'école et pas une seule fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Et en effet, c'est un petit peu dramatique aujourd'hui qu'à l'école on n'a aucun cours sur la gestion émotionnelle, qui est quand même, enfin je veux dire, la qualité de ta vie c'est la qualité de tes émotions, comment tu contrôles tes émotions et quelles émotions tu ressens au quotidien, plutôt de bien-être, plutôt de haine, de colère, quels sont les types d'émotions que tu ressens. Mais je veux dire, pour moi c'est 100 fois plus important que apprendre à pas faire des fautes d'orthographe, apprendre un calcul mathématique compliqué au final qui va peut-être rien m'apporter dans ma vie, ou apprendre, je sais pas, tout un truc en chimie qui, c'est pareil, m'apportera peut-être rien, peut-être que ça m'apportera, j'en sais rien. Mais je veux dire, la gestion de mes émotions, ça servira à tout le monde. La gestion de mes finances, c'est la même chose, ça servira à tout le monde. Alors le problème, c'est que les professeurs dans le système scolaire ne sont pas formés à ça. Et eux-mêmes ne savent pas généralement gérer leurs émotions, gérer leurs finances. Parce que voilà, on les a pas, ils ont été dans le même système scolaire que nous, on participe. Ils ont appris une spécialité, les mathématiques, la physique, la géographie, je sais pas quoi. Et ensuite, ils l'enseignent tout simplement. Mais je pense que ce serait important d'ajouter certaines disciplines et faire passer des messages. Par exemple, ce que tu fais aux autres, voilà, va te revenir en retour. Apporte des émotions positives à d'autres personnes. Contribue au maximum que tu peux. Comment tu peux gérer tes émotions? Comment tu peux gérer la qualité de tes finances? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi dans ce monde? Et comment tu peux te permettre de réfléchir hors du cadre? Bah, pour créer des projets, tu vois, qui vont être innovants, créer des projets qui ne sont pas, qui vont pas rentrer dans un moule de peur de faire une erreur. Donc tu vas viser des projets qui vont t'apporter de petits résultats, parce que toujours pareil, tu as été conditionné pour ne pas faire d'erreur, parce que si tu fais une erreur, tout le monde te montre du doigt. Donc forcément, tu n'as pas envie d'en faire, et forcément dans ta vie tu vas agir en fonction de ça. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses. Alors les choses sont quand même en train de changer, il n'y a pas que du négatif, j'ai dit beaucoup de négatif dans cette vidéo, mais il y a quand même des choses positives qui se passent aujourd'hui, même dans le système à ce niveau. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience justement de tout ça, donc les choses, voilà, commencent à changer, je pense, progressivement. N'hésite pas à me dire ton retour dans les commentaires. Mets-moi un énorme pouce si cette vidéo t'a inspiré, partage-la à des personnes que ça pourrait intéresser. Je suis encore au Japon pour quelques jours et je décolle à Miami, je te montrerai tout ça. Ciao ciao!